Normalement, la balance sonore est bonne puisque je l'ai déjà utilisée pour faire des enregistrements pour ma chaîne YouTube. Alors, on a une intro en anglais. Salut Baba, what's up, Tas, you are a very powerful. Ah, ça va trop vite. On parle d'un élixir de la vie. Son père revient à la vie. Do you think it's life you for you're looking for? Regardez. Ah, s'il vous plaît, je suis vraiment à Newton, to know where to the elixir of life after defeat and me. Ok, pour trouver l'élixir de la vie, il faut cheminer. And descend. Belle image de présentation. Bon, j'ai à moitié compris ce qui était écrit. En plus, c'est dommage, on ne sait pas mettre pause. Alors là, c'est pas moi qui ai rendu trop grand l'écran pour le stream. Ça prend vraiment tout l'écran de l'ASCAM CPC, tout l'écran du moniteur si vous préférez. On a droit à une belle musique. Alors, ça a été codé. Le code, donc la programmation et les graphismes sont de Aziz Kuatano. Musique et effets spéciaux de McLean. Game Concept B Yutaka Izokawa. Alors, comme on le voit, on peut choisir soit le joystick, le clavier, redéfinir les touches et choisir son level. Il y a 100 levels. Alors, si jamais je me retrouve bloqué, ne vous inquiétez pas, j'ai les codes. Sur CPC Power, vous pouvez les trouver. D'ailleurs. Alors, rien de tel qu'une petite démonstration. Alors, je dois mettre. Voilà. Ah oui, je n'ai pas mis le joystick. Alors, comme je le disais, c'est un jeu de réflexion. Oui, voilà, ici. Hop. Bon, comme je le disais, n'hésitez pas à me dire pour la balance si c'est bon, pas bon, au niveau voix et musique du jeu. La musique du jeu est peut-être trop forte, je ne sais pas. Alors, ça, c'est mon petit personnage, un baby. Et en fait, le but, c'est d'attraper tous les monstres à l'écran. C'est un peu à la Pokémon, attrapez-les tous. Ah, je suis un peu déphasé par rapport à ma webcam. Donc je bougeais un peu, voilà. Comme ça, je suis bien au milieu. Donc, comme je le disais, il faut attraper les monstres. Voilà, un d'attraper. Et il faut jouer avec les blocs pour savoir les atteindre. Le premier niveau étant un tutoriel. Voilà, level fini. On a le code du level, évidemment, quand on l'a passé. À l'ancienne, hein, comme les bons vieux jeux de l'époque. Un password pour aller de niveau à niveau. Un password qu'on obtient évidemment une fois avoir fini le niveau. Alors ici, on a droit à un squelette à la place. On descend. Alors on pousse. Puis on pousse l'autre rocher. Et voilà. Jusqu'ici, c'était pas compliqué. Zikwire, salut Zikwire. Kuna Skim, salut Tagodius. Salut Zikwire. C'est Beats Palace. Un jeu tout à fait récent de 2017. Qui a été. Qui a participé au Retro Dev de 2017. Et qui a obtenu le prix de Best Game. Je sais pas si tu connais. Sugarbox, hello, boîte à sucre. Zikwire, toi qui cause. Parce qu'on m'a dit de leak le chat, mais il n'y a personne qui cause là. Je dis ça pour rire, hein, ne vous inquiétez pas, je ne m'offusque pas. Mais si tu sais me dire que si la balance est bonne au niveau du son et au niveau d'image aussi, est-ce que ça lag chez toi ou pas? Parce que Ritis s'est plaint que ça laguait. Donc dis-moi si ça lag et si la balance sonore est bonne. Je t'en serai gré. Troisième level là. Alors ici ça se complique. Comme vous voyez, ça devient déjà un peu plus tordu. Alors, moi je pense qu'il faut faire ceci. Pour atterrir sur la tête du squelette, on monte l'échelle. C'est parfait ici, Taro, Sonical et Video Nickel. Yeah! Merci Zikwire. Alors ici, je pense qu'il faut. De toute façon, j'ai pas le choix, pousser le rocher.
Une fois qu'il est poussé, c'est là où je ne comprends pas vraiment. Que si je le pousse là. Voilà, et après, bah, je me retrouve coincé ici. Et là, je sais rien faire. Ah oui, petite information importante. Ah, on m'a écrit sur Twitch. Petite information importante, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de temps. Donc, on a tout le temps que l'on veut pour faire un niveau. Ça lag un peu, mais j'ai plusieurs onglets. Ah, c'est peut-être pour ça, Chrisland. Ah, j'ai oublié de le mettre en grand écran, du coup, j'ai du mal à lire. Le chat Twitch, je vais arranger ça tout de suite. Patience, patience, celui qui m'a écrit. Coucou, son est bon. Le son est bon. Merci Kitty. Ah, au moins le son est bon. T'as peut-être pas l'image, mais ça doit venir de toi alors. Bon alors, comme il n'y a pas de... Ah zut, c'est vrai. J'ai plus pensé à ça. Ça c'est con. J'ai à chaque fois sorti du grand écran alors. Ah non, ça va. Alors, au cas où, si on est bloqué, on appuie sur ESC et on a le choix entre continuer. Donc, ça sert de pause en somme. Restart, recommencer le niveau. Ou quitter et revenir au menu principal. Ou quitter le jeu tout court. Bon, alors, restart. Moi, ça va pas, mais je suis passé sur ma 4G, c'est plus possible sur la DSL. Tiens, c'est bizarre. C'est plus possible sur la DSL. Oui, tes photos sont nickel. Ah, tu parles d'autre chose. Alors. Comment pourrait-il passer, ce petit bonhomme-là? En plus, il n'y en a qu'un. Hein. Alors, c'est con, parce que moi, je me disais, c'est comme dans les MIG. On va tomber, paf, on va l'écraser. Mais non, même pas. C'est vache. Moi, je vois pas comment je pourrais faire autre chose. J'ai essayé de sauter, en fait, mais ça va pas. Alors. Poster. Alors. En fait, j'ai pas beaucoup joué à ce jeu, je l'ai surtout essayé. Et je me suis dit que ce serait cool pour un scrim. Je sais pourquoi je suis tombé, moi. Je vois pas comment je pourrais faire autrement, c'est ça le problème. Si je fais ça. Ouais, je peux descendre. Ah, ouais, voilà, d'accord. Ça y est, j'ai compris. C'est tout con, en fait. Voilà. Comment j'y ai pas pensé plus tôt, moi? Comme vous voyez, l'écran de jeu est conséquent hein, sur le moniteur. Ça nous change des vieux jeux. Je veux dire des jeux de l'époque. Où on avait un tout petit écran sur le moniteur. C'était gavant. Alors ici, par contre, ce stage-là, j'ai pas trouvé comment ça fonctionne. J'ai bien compris pour le premier, ça c'est super facile. Voilà. Mais alors pour le deuxième, comment je fais? Je sais que je peux casser ces blocs-là. Je sais que je peux casser ces blocs-là. Mais le problème, c'est que le bloc, ben, il est bloqué là. Et comme il est bloqué là, je ne sais pas quoi en faire. Et ça, ça me fait bien chier. Et voilà. Alors, ici autrement. Ça y est, je crois avoir trouvé. On fait ça. Ah non, ça marche pas. Je suis quand même au même point. Parce qu'on ne sait pas sauter en fait. À moins que je pourrais descendre. Mais si non. Donc puisqu'il est bloqué. Merde, du coup je me suis bloqué. Hop, on recommence. Heureusement qu'il y a les ghosters. Alors. Je vais quand même essayer. Merde.
pas ce que je voulais faire. Je vais quand même essayer, même si je sais que je vais me casser la gueule. Ah ben, quand même essayer ce que je vais faire, juste pour voir si... Ouais, je sais faire ça. Mais du coup, je sais pas... Je suis quand même bloqué. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, les amis. C'est justement pour ça que je skim, pour qu'on puisse faire un skim en commun. Ben voilà, c'était tout con. Je suis bête. Je me prends la tête comme un con pour rien, en fait. Voilà, ça c'est fait. Alors, ici. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Et là, c'est le dernier qui va me poser problème. D'accord. Ok. Alors, quelle est l'astuce ? J'ai des blocs où c'est pas possible, bien sûr. Il y en a 100, Zikoyeur. Là, c'est le level 5. Mais pas de panique, hein, j'ai les codes. Donc si je reste bloqué, c'est pas grave. On passera au suivant, et voilà. Costard. C'est très pratique, le costard. Ils ont vraiment une bonne idée. Alors, il faut que je trouve l'astuce pour toucher celui qui est tout à droite au-dessus. Les autres, c'est hyper facile. Ok, ok, ok. J'ai déjà trouvé. J'ai trouvé. Normalement, ça devrait marcher. Alors. Je dois monter, en fait. Bêtement. Tomber sur la tête de celui-là. Et voilà. Le reste, ben, comme on le sait, je me le fais facile. Voilà. En fait, c'était tout con. Voilà. Ah bon, tu te trouves que j'ai des gros mots ce soir? J'ai pas fait attention. Oula, il a l'air en lambiqué celui-là. Parce que j'ai une échelle là qui monte, mais qui monte à rien. Ah ouais, d'accord, c'est pour escalader. Ok. J'arrive là. Bon, ok. Merde. D'accord. Ok. Première difficulté. J'arrive pas comme ça, l'échelle. D'accord. Donc on va commencer par cela alors. Et un. Voilà. Donc si je pose celui-là. Voilà. Et du coup, je suis accédé à l'échelle. Voilà. Parfait. Ensuite, je monte. Celui qui est en bas, je ne sais pas comment j'y aurais moyen d'avoir. C'est space, ça. Il m'a aucun élément. Bon, je vais essayer de pousser celle-là, qui va quand même tomber en bas, donc ça va me servir à rien. Mais voilà. Donc il faut que j'arrive à mettre l'autre pierre en dessous, en bas. Dans ce cas-là, comment je fais pour accéder à l'échelle? Est-ce que je suis obligé de mettre le rocher dans le trou pour arriver à l'échelle? Si vous me suivez.
Bon. Hop. Hop. Alors. Là, je vais le mettre de l'autre côté, ça va pas. Ok. On va essayer autrement. Du coup, je suis obligé de faire comme ça, mais quand même. Du coup, lui, j'y arrive pas. Et même, je suis bloqué de l'autre côté, de toute façon. Je sais faire ça, mais je sais pas monter au-dessus. Bon, 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 bon. Alors. Hop. Ah, jusque là, en théorie, c'est bon. Ah, je sais pas lancer les rochers sur les ennemis. Ah, je pensais que je savais le faire. Les ennemis deviennent obstacles pour le rocher, en fait. Ok. Donc. Ça. Je vais monter au-dessus. Faire ça. Et après, je peux à la rigueur faire ça. Descendre. Pousser celui-là là, bien sûr. Mais après. Qu'un étage. Et l'étage, il est là. Ici, mais j'en ai besoin pour passer cette échelle. Alors. J'aime bien parce que le squelette, il dirait qu'il danse. C'est assez marrant. Bon. Il est en lambiqué celui-ci. Hein. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Hein. Ça, à la rigueur, ça. Ça change bien la situation. Regardez dans le mode d'emploi si il n'y a pas des choses. Parce que j'ai pas vraiment regardé le mode d'emploi, faut dire. Si on sait pas faire d'autres choses avec. En anglais, en espagnol, en anglais, en espagnol. Sauf plus musique. Ah! Ah ben on va regarder en anglais alors. Les actions que peut faire notre cocher. Normalement il n'y a que ça qu'il peut faire. Le curseur pour un spin back, to change, to control, betray le caractère. On peut changer le caractère en appuyant sur espace. Ah bon. J'ai déjà appuyé sur espace. Ah mais il faut peut-être que la touche d'espace soit active. Essayez. Parce que là, actuellement, c'est configuré pour le joystick. Non, ça change rien du tout.
Donc à mon avis, il faut que j'ai des bonus. Quelque chose comme ça. Pour changer de caractère. Sinon, je peux changer de caractère. In case of going to decay, comment to use the sequence of computer, the quality standard approved, popular référendum en octobre, au 1er octobre 2017, d'accord, oui. Ouais, ils disent pas grand chose. Socle level, je vais le passer. On va juste vérifier quelque chose. Ok, ils ont testé tous les niveaux, donc ils sont pas bloqués. C'est toujours bon à savoir. Bon, en tout cas, là, je vois pas de solution. Hein. Vraiment pas la solution à ce bazar-là. Je sens que j'ai passé le niveau. La seule action que je sais faire, c'est ça. Je vois pas de quoi. Comment je pourrais. Sinon, en tout cas, le jeu est vraiment beau, fluide. Ce que je peux faire à la rigueur, c'est bon, c'est descendre ici. Ou ces blocs, j'ai déjà fait, mais ça ne sert strictement à rien. C'est ça le problème. Pas casser le bloc là en bas. Bon, bah je pense que je vais passer ce niveau là. C'est le level 6. Il y a un petit côté rigue dans le jeu rouge, dans les couleurs, le graphisme. Ouais, pas faux. Ah, d'accord. Je ne peux pas rentrer le code ici, c'est pas grave. Ah, c'est pour continuer, voilà. Donc on était au level 6. Nouvelle level et on va directement charger le prochain. En maintenant, ça permettra de vérifier que ça fonctionne bien. Parce qu'évidemment, je n'ai pas vérifié. Alors, le 7, c'est ZZXCX. ZZCX. Hop, je reviens à mon écran de skim. ZZCX. Z, Z, C, X. The code is OK. Magnifique. Et ben voilà que demande le peuple. Alors ça, c'est le level 7. Ah, serait-il dans plusieurs écrans? Alors, le premier, c'est facile. D'accord, le bloc, il doit descendre en bas. Et pourquoi il y a des grappins au-dessus? Je sais pas les atteindre. C'est quoi ce bordel? Mon dieu! Bon. Moi je t'ai eu. Je vais descendre. D'accord. Voilà, bien sûr. Mais il est impossible ce niveau, c'est quoi ce problème? Il y a
quelque chose que j'ai pas compris. Hein. Mais comment voulez-vous faire? Le bloc, il est là, il me bloque. Je peux juste pousser par là. C'est tout. Après, il arrive contre le mur. C'est bien, c'est joli. Et après? Ah! Ah ah, ça je savais pas. Ok. Ok, donc on peut faire ça. D'accord, compris. Ah non. Ah si. Voilà, je le pousse encore d'un cran. Alors je descends. Hop, hop, hop. Voilà, maintenant c'est tout à fait possible. Sauf qu'il faut d'abord que je m'occupe de lui. Voilà. Sinon, il va me faire obstacle. Voilà. Ok. Hop. 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 Ouais, ça va aller. Et voilà. Bon, en fait, c'était tout con. Ça tombe, celui d'avant était tout aussi con, hein, mais j'ai pas trouvé l'astuce. Voilà. Donc, nous partons au level 8. J'arrive, je vais baisser le chauffage. Il fait chaud. Bon, je dis pas qu'on va faire le 100 level aujourd'hui, ceci dit, hein. Mais, franchement, il est cool, ce jeu. Il est bien sûr que tu lis chaque chap sur ses PC Power. Babas Palace. Je vais mettre que le lien de la rediffusion YouTube. Mais si vous voulez, je peux vous passer le lien tout de suite. Alors, il y a qu'un comms, un monstre. Bon, je devine tout de suite qu'il faut... D'accord, je vois un peu ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué en fait. Faut faire que ça. Ouais, voilà. Faut jouer comme ça. Ah, mais après, je vais me bloquer pour revenir. Ah, ouais, d'accord. Si je fais ça à partir de là. Ça, voilà, je suis bloqué. Si je fais ça, je sais pas que ça. Mais c'est tout. Compliqué. Ça paraissait tout con, mais en fait, c'est compliqué. Voilà. Et pour atteindre l'autre, je fais comment? Donc, hop, hop. Ok, donc. Ah ouais, c'est tout con en fait. Tac. C'est juste... Bah ben non, même pas. Ah si. Fais ça. Voilà. Voilà. Hop là. Avec son pied. Poum. Et voilà. C'est toujours la même musique, mais elle est vraiment trop bien. Au moins, ne fais pas répétitif comme ça. 1, 2, 3, en effet, il faut bien 3 blocs. Alors. Ah merde. Ah, c'est pas aussi simple que je n'aurais cru. La logique, mon cher. Hop.
c'est pas cassé, mais... Il y a bien moyen de casser ça. Mais je suis bloqué. Donc, on va essayer de casser qu'un seul. Même, je suis quand même... C'est ces 7 années de trucs là, les blocs là qui me gavent. Bonne découverte ce petit jeu. Merci Zikwire. C'est ce que je voulais justement, c'est que les gens découvrent ce jeu. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui participent. Bah, c'est effectivement une très très bonne découverte. Remarquez des détails sur les rochers. C'est pas juste un bloc de couleurs où on voit même des rainures dans les rochers. Je parle des rochers mauves, hein, ceux sur lesquels je suis. Et là même, on voit vraiment que c'est un rocher, quoi. C'est pas juste une plaque orange, couleur orange. Alors... Et là, c'est bon pour tout recommencer, en faisant comme ça. Et je peux tourner en rond, je vois pas comment je peux faire ici. Alors... Je peux pousser ça, ouais. Et je suis quand même bloqué. Avec ça. Ça, mais je me bloque quand même. Je vois vraiment pas. Le gars, il y a des détails qui m'auraient échappé dans le décor. Non, je vois pas. Je vois vraiment pas comment je pourrais faire là. À part ça, je reviens, d'accord. Je peux toquer la rigueur. Je peux casser ça la rigueur. Casser ça la rigueur. Monter ici. Casser ça. Mais après, je suis quand même bloqué. Oui, non, franchement, ça m'étonne pas qu'ils ont eu un prix. Ce jeu est vraiment fait avec amour. Même la tête du bébé, quand on regarde, il y a des petits cheveux, là. Ah, il y a même un reflet sur sa tête. Ils ont vraiment soigné ça, hein, avec moult détails. Bon, là, je sèche. Je vais me faire un petit kawa. Je vais vous laisser cogiter. Si vous n'avez pas d'idée, je passerai au level suivant. Parce que là, je vois pas.
Alors, d'après Gritty, descendre l'échelle et passer sous le bloc violet dans la terre. Ben, je l'ai fait. Je fais ça. Voilà, je passe en dessous. Si je fais ça, je suis bloqué. Donc, comme tu vois, quoi que je fasse, je suis quand même bloqué. À moins que j'ai mal compris ce que tu veux dire. Voyons, et si je sais, est-ce que j'essaie de pousser? Non. Je peux par contre passer en dessous ici, c'est d'accord. Moi j'aurais même un problème. Hop. Là, je peux faire comme ça. On est ici. Avec ça. Ah. J'ai peut-être un début de... Non, même pas. J'avais pensé à ça, revenir. Pousser le bloc, mais même je suis bloqué à partir d'ici, je sais plus rien faire. Donc c'est même pas ça, quoi. Non, franchement, je vois pas. Je vois pas du tout. À mon avis, je pense qu'on est bon pour passer au niveau suivant. J'aurais pas fait le jeu si j'avais pas les codes, hein. Si c'est pour passer 3 heures sur un niveau, ça vaut pas la peine de faire un skim. Bon, je crois que je vais passer au niveau suivant. Ah oui, tant que ça me vient en tête, le temps que j'aille chercher le code du level 10 donc. C'est pratique ça que c'est écrit le level où on est. Sachez que bientôt sur ma chaîne il y aura un blind test spécial Ascam CPC. Mon tout premier blind test. Je me suis dit pourquoi pas faire un blind test. Ça m'a bien plu de le faire. En plus c'est pas compliqué à faire au niveau montage. Ça m'a bien plu de le faire. Avec évidemment des grands classiques pour que tout le monde puisse quand même trouver des solutions et des jeux et des musiques de jeux, pardon, moins connues, moins évidentes surtout. Continue et pousse ce bloc. Attends. Continue et pousse ce bloc. On va aller au bout de ton idée. Tac. Attends. Je me remets en plein écran. Je vais aller au bout de ton idée. Ce sera une thèse de 10 minutes. Ça fait quand même pas mal de morceaux, sachant que chaque morceau prend 17 secondes au montage. Donc ça fait quand même quelques morceaux. J'ai pas compté exactement, mais ça en fait pas mal. Ah oui, c'est vrai. Ah, je bafouille. Si je mets pas l'émulateur. Pardon, si je mets pas l'émulateur. Voilà, maintenant ça va aller. Donc descendre l'échelle et passer sous le bloc violet dans la terre. Continue et pousse ce bloc. Je ne saurai pas. Je ne saurai pas parce qu'il y a un bout de terre de l'autre côté du bloc. Toi tu veux que je pousse ce bloc où il y a le Kums qui danse. Mais non, je sais pas. Ceci dit, je vais essayer, on ne sait jamais, hein. Je me trompe peut-être. Sincèrement, je me trompe peut-être. Mais je pense pas non. Il va rester bloqué, tu vas voir. Direct. Hop. Voilà. À partir d'ici, je suis bloqué. On continue et pousse ce bloc. Tu vois, je sais pas le pousser. Maintenant, tu veux peut-être que je pousse le premier. Ça, je peux faire. Mais, je vais revenir au même résultat, tu vas voir. Hop. Hop. Tu vois, là, je sais pas le pousser. D'avoir lui, on dit comme ça, à la rigueur. Le pousser, voilà. Là, je prends, paf, je me cogne la tête.
Non, je vois vraiment pas la solution à ce niveau. Il faut recommencer. Moi, je veux bien recommencer, il n'y a pas de souci, autant que tu veux. C'est pas comme si je vais mettre 50 cents pour une partie, quoi. Bon, qu'on se comprenne, tu veux que je descende l'échelle et pousser sous le bloc violet dans la terre. D'accord. Tu veux que je recommence? Moi, je veux bien, mais j'arrive au même résultat, hein. Donc, enlève la terre d'abord et reviens pousser les blocs. Ah, ça par contre, effectivement, c'est pas con. Attends. Parce qu'en effet, je peux monter ici, casser ça. Ça, j'y ai pas pensé. Ouais. Il y a d'idées, il y a d'idées. Attends. T'as peut-être trouvé la solution là. Je vois ce que tu veux que je fasse. Ok, j'ai compris. Bien vu, bien vu, bien vu, Riti. Voilà. Bravo, Riti, bravo. Et de 1. C'est exactement ça, Riti, bravo. Félicitations. Merci, grâce à toi, on a réussi le niveau. Voilà ce que j'attendais de vous. De l'initiative. De l'enthousiasme. De la collaboration entre streamers et viewers. C'est ce que j'attendais de vous, mes enfants. Riti m'a compris. Merci à toi, Riti. Alors. Oh, pas trop, c'est compliqué. Ah oui, d'accord. Si je fais tomber le bloc, il est contre la sorte de lave en fusion, là, même si ça n'en était pas, le pylône. Le pylône en forme de lave. Donc ça le fait pas. Par contre, c'est quoi cette coupe jaune là? Ok. Ça, ça va pas le faire. Alors, ça, je peux faire, d'accord. Ça, je peux faire. Forcément, si je fais ça, je bloque. Et voilà, je vais le coincer. Ah, j'avais pas vu qu'il était sur une échelle. C'est pas pour rien s'il est dessus. Je comprends pas trop là. Faire ça. On va remettre du niveau. Bon, on a vu que si je pousse le bloc, il tombe là, sur le côté, je ne sais plus le bouger forcément, vu que la paroi m'empêche de bouger le bloc. Alors... En fait, c'est pas qu'il danse, il nous nargue. Les enfants. Alors le bloc. Bon, je me doute que ça c'est d'importance. Mais alors, pourquoi faire puisque là je sais pas monter au-dessus. Il aurait fallu un troisième. Sur la droite. Et à ce moment-là, je contournais le gaucher pour le pousser sur la gauche au besoin. Un bloc, un comps, on est bloqué. Là, franchement, je vois pas.
J'avoue, c'est vrai que ça manque un peu d'action pour un scrim, ce genre de jeu, mais alors. Quand on s'y met tous, c'est fondard. Et là, avec du retard. Pas de soucis. Pas de soucis, Mico Plus. Content de te voir ici. Surtout. J'ai vu le lien que tu m'as envoyé sur le jeu qui serait intéressant à skimmer. Le jeu d'aventure, agent secret, c'est ça? Mission secret. Agent secret ou mission secret? De logiciel. C'est effectivement très intéressant. J'y penserai, j'ai en route incantation, je compte faire Scram 2. Puisque j'ai fait le premier, autant faire le deuxième. Et secret défense, oui, pourquoi pas. Bon, là, je vois vraiment pas, mais alors là, je sèche. Hein. Oui, il a pas l'air pas mal. En effet. Il a pas l'air pas mal du tout. J'ai vu la vidéo YouTube que tu m'as envoyée sur le jeu. Effectivement, enfin, j'ai vu une partie parce que... Bon, comme c'est un jeu de recherche, j'ai pas non plus envie d'avoir la Solus comme ça, clé sous porte. J'aime bien ce qui met des jeux de recherche façon à l'ancienne. Alors, afin que j'y trouve mon plaisir à moi de joueur. Comme j'ai déjà expliqué. Par contre, j'ai rien contre ceux qui skiment des jeux avec Solus clé en main. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais personnellement, je préfère skimmer à l'ancienne. Pardon. Jouer à l'ancienne, mais en skim. Donc vraiment, comme si j'avais acheté le jeu. Sans Solus, sans rien. Et voilà, je m'y vais. Alors, bah évidemment, avec l'aide des viewers. Ça va de soi. Alors ici, je vois vraiment pas. C'est quel numéro de tableau? Ici, nous sommes au level 10, mon cher Kitty. Et là, je vois vraiment pas ce que je peux faire. Hein. Pourtant, c'est tout con. Ah oui, mais qu'en plus, si tu ne sais pas, c'est B Palace. Un jeu de 2017 qui a participé au Dev 2017. Et qui est vraiment magnifique. Paumé le... Oui, paumé, oui. Rire. Bon, mais là je vois vraiment pas parce qu'ici je peux escalader. Là, 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 oh, je peux tomber là. Ça fait une belle jambe. Oui, voilà, c'est le vainqueur. En effet, il a eu 260 points. Il a eu plein de prix, hein, mais ça vaut effectivement, ça vaut vraiment le détour. Quoi. Ça m'étonne pas qu'ils ont gagné quoi. En même temps, si j'ai bien compté, ils ont eu 8 mois ou 9 mois pour le programmer leur jeu. Hein. Ils n'ont pas fait la veille. Hein. Alors. Non, là, je vois vraiment pas, je sèche. Non, ça m'étonne pas qu'ils ont gagné. Ils ont vraiment bien bouloté. Tous les détails sont soignés. Au niveau des couleurs, c'est génial. La musique est même... Quoi qu'elle a changé ici. Elle est vraiment bien foutue. L'animation est nickel. En plus, c'est un véritable jeu de réflexion. La preuve ici, voilà, je suis bloqué. Même les détails sont super soignés. Quand on voit sur le bébé, il y a un petit reflet sur son crâne. Là, je suis... face à vous, comme ça, le reflet est à gauche, je tourne, hop, le reflet de l'autre côté. Je tourne, hop, le reflet de l'autre côté. Et sur mes voies de dos, le reflet est toujours là. C'est quand même super bien foutu, quoi. Bon, alors ici, je vois vraiment pas. Je sais, Digiti. Éclègue-nous. Nous t'écoutons. Que
nous puissions aller au level 11. Nous t'écoutons, donc j'attends ton idée. Notez que j'ai toujours mon fameux ventilateur, hein, il est toujours là. Même s'il ne sert plus, évidemment. Il est tellement grand, c'est à 45 cm, c'est un modèle pro en fait. Comme je travaille dans le froid, j'ai vraiment du mal avec les canicules, la chaleur. Donc du coup, j'ai carrément acheté le modèle pro. Il m'a coûté bonbon, d'accord, mais un ventilo, on le garde ad peternam, donc du coup. Il faut le laisser tomber côté droit en dessus du bloc. Ah ben oui, je le laisse tomber, hop, côté droit en dessus du bloc. Et après, c'est pas facile, hein, on écrit, hein. Je te l'accorde, Gritty, c'est pas facile du tout. Un Kamehameha sur le bloc peut-être. Si je pouvais. Non, j'ai quasiment aucune action. Il paraît que la barre d'espace sert de changer de caractère. Mais depuis le début du jeu, j'ai beau essayer. Je vais désactiver le joystick pour voir. Ainsi, je récupère la barre d'espace de sa fonction initiale. Et ça ne change pas le caractère du personnage. Voilà, je remets le joystick du coup. Détruit le mur coloré côté droit. Comment il veut que je le détruise? Ah ouais! Ah, j'avais pas tilté qu'il était discutible, lui. Ah ouais! Comme c'est un mur, j'avais pas tilté. Ok. Je vois la combine, je vois ce qu'il faut faire. Voilà, hop, et voilà. Ah ouais, bravo Kitty. Ouais. Balèze, c'était tout court en fait. Vive Kitty, vive Kitty. Alors ici nous avons un nouveau, une sorte de fantôme avec un chapeau à la japonaise. Du moins c'est ce que je crois pouvoir. Alors oui, je fais le tour, oui. Passer sur l'échelle, les blocs. Il est clair que je dois faire ça. Si je fais ça, ça donne quoi? Ah, le fantôme vole. C'est donc sa particularité. Pas de souci. Puisque je fais ça, voilà. Si je fais ça, j'ai lui, mais pas le fantôme. Ah ah. Ah, ça aurait pu marcher si j'avais une échelle. Si je savais passer à l'échelle. Ah, c'est con. Pour ta culture personnelle, le petit fantôme, ouais. Merci, merci Mico Plus pour ce détail. En tout cas, on a réfléchi du coup. Alors, on va essayer de faire autrement. Voilà. J'arrive quand même au même point. Du coup, je suis obligé de faire ça. Hop. Ah, voilà. Hop. Ah, bah non. Puisqu'il tombe pas. Bah ouais.
J'ai pas pensé. J'aimerais bien voir BD Saigon streamer ce jeu, n'empêche. Je crois que je jurerais comme un charretier, quelque chose de pas possible. Moi ça va, je suis be cool, tranquille. Je prends ça pour ce que c'est un jeu. Je le réussis, je le réussis pas, je m'en fous, j'ai les codes de toute façon. Puis c'est pour s'amuser, voilà. Je vous en prie, il fallait le signaler. Tout à fait, il faut le signaler. La culture, c'est importante. C'est important, très important. C'est pas ma compagne qui va dire le contraire, elle est bibliothécaire. Comme j'aime beaucoup lire, malgré que j'ai plus le temps. Ça me va parfaitement. Alors. Quelque chose qui m'échappe. Non, je sais pas passer. Salut mon cœur, justement je parlais de toi. Quand la culture était importante et que c'est pas toi qui dirais le contraire, vu que tu es bibliothécaire. Alors. Là. Ça y est, Riti a encore trouvé. Mais t'es vraiment balèze à ce genre de jeu, toi. N'hésite pas à proposer. Je fais passer Nako pour voir. Voilà. Ah, voilà. Et du coup, je fais ça. Hop, hop. Ah, bah, j'ai trouvé. À mon avis, c'est ce que tu voulais me dire, mais j'ai trouvé. T'as pas eu le temps de mettre ta réponse. Comme tu vois, mon cœur, c'est un jeu de réflexion. À mon avis, t'aimerais bien ce jeu. C'est un jeu pur de réflexion, il y a 100 niveaux. Là, je suis qu'au niveau 12. À savoir que j'ai triché pour un niveau. J'ai tous les codes. J'ai prévu le coup des fois que je serai bloqué à un niveau. Pour pas durer une heure sur un niveau, pour rien. Ça tue à Skim. Bon alors, on a ça, ça, ça. Ouh là là. D'accord. À mon avis, je vais tuer celui du bas. Monter au-dessus. Ce jeu est un petit Alzheimer en boule. En boîte. Pardon. En boîte. En effet, oui. Alors, à mon avis, je sens que qu'il faut que je fasse celui-ci. Et celui-ci, pousser. Paf. Voilà. Pardon. Alors. Celui-là, je fais ça. D'accord. Un concours de passe avec ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Il va tomber à côté. Ah, ça va pas, ça va pas. D'un côté comme le autre, ça va de toute façon pas. Je vais quand même faire comme ça. Même si je sais que. Ah, si, voilà. Hop là. Ah, ben voilà. Voilà.
N'hésite pas à participer. Voilà. Il faut savoir mon cœur quand ce niveau, mon cactus, celui que tu préfères comme ça, à son niveau. Je suis qu'au 13e. Ce jeu a gagné un prix. Au Retro Dave 2017. Et le best game d'ailleurs, c'est le jeu qui a gagné le concours tout court. Alors, 8 mois de production, hein, le jeu. Alors, ici, compliqué ça. D'accord. Faut jouer sur l'échelle. Je vois un peu le truc. Oui, c'est fait. Voilà. Ça, d'accord, mais après c'est mort. Je pousse celui-là. Je veux bien. Mais après c'est mort. Ah ah. Nouveau challenge. Puisqu'ici dans le coup, je suis bloqué. Donc. À moins que... les choses différemment, voilà. Ça y est, j'ai compris. Hop. Hop. Merde. Ah si. Ça marche. Si, voilà. J'ai trouvé. Voilà. Merde. Ah. Ah, c'est con, j'y étais presque. Ah, mais c'est déconné ça. Pas m'empêcher de penser à ce masque en voyant ce qu'il met sur ce jeu. Pourquoi pas. Alors j'étais presque, il me manque un détail et c'est bon. Voilà, il faut le faire par étage. Par de haut, en fait. Voilà, ça c'est fait par exemple. Maintenant, je dois m'occuper de celui-là. Ah, mais je vais déjà être bloqué. Ah merde. D'accord. Ça y est, j'ai compris. Je pense. Sans exactitude. Pour moi, c'est exactement la même opération. Ah merde. J'ai connu pour celui-ci. Lui c'est fait, on est d'accord.
maintenant le truc, c'est qu'il faut que je... Non, si je... Ah non, c'est même pas ça. Ah, quoique... Je suis du bas. Voilà. Ensuite... Voilà. Voilà. Ça y est. Ah non, même pas. Ah merde. Ah si. Voilà. Yes. Yes. C'est bon, on avance. Et voilà. C'est fait. Bon. Hop là. Ok. Ok, ok. C'est bien comme je le pensais. Il faut juste un bloc là, d'accord. Mais juste vérifier quelque chose. Bien. Donc. Pas ce que je voulais. Ok, je me suis bloqué de nouveau. Donc il faut au moins que j'ai un trou ici. Voilà. Ça devrait suffire. Penser à ça, merde. Ah. C'est fait. Après ici. C'est faire après. Faudrait une échelle ici pour remonter là. Je pousse le bloc et paf. Ah là là. Alors.
copie foisard. Voilà. Ça va, ça vient bien sûr. J'essaie des combinaisons vraiment au hasard. Ah là là, là je suis bloqué. Je vois vraiment pas. Vraiment pas. Pour information, l'image n'est pas coupée sur la gauche. C'est vraiment comme ça qu'est le niveau du jeu. On dirait comme ça qu'il y a une partie qui est coupée, mais non. C'est d'accord. D'accord, ça je sais. D'accord. Ah, je commence à avoir une bouche. Ok. Je tombe d'affiche, ça c'est con. Le gars que je tombe d'office, il faudrait que je reste accroché à l'échelle pour arriver à mes fins. Voilà. Trouvé. Pardon. Voilà, trouvé. Oufti. C'est quoi ce bordel? Je suis... Ah, je suis là-bas. Ok. Bon alors, là. Ok, 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 ok. Ok, ok. Bon, en fait, c'est pas... Sauf que là, je suis bloqué, évidemment. D'accord. D'accord. Évidemment, je sais pas passer de l'un à l'autre.
va non. Oh putain. Purée. Ah, je ne calme tout. Je peux faire à la rigueur, mais ça va ressembler à rien. Tout s'est poussé par là, d'accord. Sur la gauche. Puis ouvrir l'ouverture. Ça, je peux faire. Mais une fois que j'ouvre l'ouverture, je tombe. Et alors, je sais pas aller rejoindre les rochers pour les pousser de l'autre côté. Ça a sensé ce niveau. Vraiment sensé. Si tu as une idée, je suis preneur. Bon, j'en rends pas. J'ai vraiment aucune idée. Dès que je le touche, je tombe. Paf. Ça va pas que je peux le casser tout en restant accroché à l'échelle. Non, pas moyen. Là, je vois pas. Je cale. C'est fatigué, moi. J'ai fait ça, le rocher va tomber, je suis d'accord. Pom. A tombé. Oula. Le taper avec la tête par le bas. On sait pas sauter. Ce que tu viens de faire là. Ouais, mais après. Là, je sais quand même pas aller de l'autre côté. Si je tombe, je suis bloqué. J'ai quand même un résultat, donc je passe à l'autre. Je sais pas. Ah, passer d'un côté comme de l'autre. Il a tout encore. Oui, je sais, mon cœur. Malheureusement, il a tout. Bon, là, je vois pas. Tomber là, je sais même pas m'accrocher au dessus, quoi. Non, donc non, je vois pas, je vois vraiment pas. Mettre au-dessus, pas de soucis.
cassé là, voilà. Ça m'avance strictement rien. Que dalle. Je vois pas. Je vois point du tout. Voici peut-être le 16. Allez, va pour le 16. Alors, hop. Voilà. Ah, je me suis trompé. J'ai fait une fausse panique alors, parce que c'est bien ce que je voulais marquer. Bah allez, voilà. Voilà. Bon, voyons voir celui-ci. Ah, ah, c'est à partir d'ici que la barre d'espace joue, d'accord. Hop. Et ben voilà. Voilà. Ok. Ouh là là. Ouais. Allez, ok, et moi. D'accord. Ça n'aide pas. Voilà. J'ai le droit d'utiliser elle pour savoir aller à l'autre. Je sais pas. Ok. Bon, j'arrive, je vais vous essayer.
Vous remarquez que la porte ne grince toujours pas. Je pense à vous, mes chers viewers. Bon alors. Faut connaître quoi bloque se touche. Forcément. Ça va tomber. Je passe quand même ça d'une façon. Ah voilà. T'es là. On va mettre quoi là. On va essayer. Voilà. Ah non, je sais pas. Ah. Ah mais c'est un casse-tête ce truc. Cassette chinois, hein. Si je fais ça, je suis bloqué. Et moi, je suis bloqué aussi. Donc, c'est pas ça. Donc, je suis bien. Ou alors, c'est lui qui doit agir en premier. Mais non, c'est rien faire. Ou c'est elle. C'est l'action que. Ah. Je peux faire ceci. Elle fait ça. Et c'est bon. Et c'est bon. Voilà. Tout simplement. Espace. Et voilà. Voilà, voilà. Oufti. Elle est quand même bien animée la chauve-souris, n'empêche. Ah, si c'est une chauve-souris, oui, c'est une chauve-souris, ça se voit bien en plus. Ah, elle est super bien animée quand même, en deux sprites, mais bien animée. Alors. Raté. Par contre. Non, bloqué. Trop facile là. C'était trop facile comme ça. Ah ah ah. Quel talent. Merci Micro Plus. Ben, ça force de. Raté, essai, raté, essai, raté, essai. Comme l'avait si bien décrit Eve, avec des mouches qui foncent sur les carreaux là. Raté, essai, raté, essai, raté, essai. Jusqu'à tomber pouf, morte sur la poutre fenêtre. C'est le même principe en fait. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ici, j'ai même pas besoin de sauvegarder. J'ai qu'à retenir le niveau où j'étais. Et c'est bon pour le prochain stream. Enfin, pour le prochain stream que je ferai sur le jeu, puisque je compte continuer l'incantation quand même. Alors, donc une fois je voulais un jeu un peu plus cool qu'un jeu de recherche, mais au final je réfléchis autant. Alors, bon, si je fais ça, que je fais ça, que je fais ça, que je fais ça. Que je fais ça. Donc c'est pas atteindre la chauve-souris. Ah bah non, parce que la chauve-souris est en l'air. Ah. J'étais presque. Pour mon avis, il faut laisser passer à tout. Ah non, même pas.
Elle doit être quoi là? Je me débrouille pour qu'elle soit là. Toujours un résultat. Il est quelle heure là? Bon, mais je pense que je vais arrêter ici. De toute façon, il est déjà 23h30. Le sac de ski pour un jeu de réflexion, c'est quand même pas mal. Et je reprendrai ça une autre fois, j'obtiens qu'on est au level 18. Et au plus, je reviendrai au level 19 si besoin, hein, c'est pas important. Mais donc voilà, je vous aurais présenté. Que je retrouve le nom exact. Baba Palace. Le CPC Retroviewer. RetroDev, pardon. CPC RetroDev BitGrillim de 2017 qui, pour le rappel, a gagné le concours du création vidéo retro, donc du CPC RetroDev. Il a été classé premier sur 29 avec 260 points. Donc voilà. Je commence à clapper un peu. Et j'ai quand même une semaine de travail derrière moi, même si aujourd'hui c'était un peu plus cool. Donc voilà, moi je vous propose d'arrêter ici. Alors, qui est encore présent sur Twitch? On va commencer par Scampaï. Alors, Anonyme, BD Saigon, Golem 13, Grisor, Moonbin, Moodubu, Kitty, Sugarbox et moi-même. Et sur Twitch. On a. Woodcock Gamer. FPS 4X. Comme d'habitude. Lone 07. Micro Plus. Mikuya et Riti 65. Pardon. Miti 65. Riti, pardon. Excuse-moi, Kitty. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici et nous reprendrons ça au level 18 voire 19 du jeu. Papa's Palace. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à vous tous de m'avoir regardé. Ça m'a fait plaisir enfin de re-skimmer sur Ascam CPC après à peu près 2 mois d'absence. Et la prochaine fois, soit je reprendrai Incantation, soit je reprendrai ce jeu. Ça, c'est à voir, mon humeur.
Et bah, ce que j'ai le temps de faire aussi. Mine de rien. Parce que pour incantation, il faut potasser un peu. Donc voilà, passez une bonne soirée à vous. Bonne nuit, mon cactus. Si tu m'écoutes encore, si tu es encore là. Et bonne nuit à tout le monde. Passez une bonne soirée. Moi, j'ai pété. Bonne nuit à vous tous. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir de reskimer. Enfin, sur Gascam.eu. Ça fait du bien. En plus, j'ai amené une nouveauté aujourd'hui, donc c'est bien, c'est cool. Donc n'hésitez pas, le jeu est téléchargeable sur CPC Power. Certainement sur d'autres sites, comme CPC Relay, comme ACME, Ascan Mémoire Écrite. J'imagine qu'il est dessus. Et d'autres sites. Hein. Bon, en tout cas, sur CPC Power, il y est. Au cas où, pour ceux qui regarderont la rediffusion, le lien sera en descriptif de la vidéo. Allez, bonne nuit à vous tous. Au revoir, je coupe.